complexe. Exercice. Résoudre dans C l'équation 4z au carré plus 8 modules de z au carré moins 3 égale à 0. Cette équation, c'est-à-dire la 4z au carré plus 8 modules z au carré moins 3 égale à 0, est bien définie sur C. Donc, en remplaçant z par x plus y et module de z par sa valeur, c'est-à-dire racine de x au carré plus y au carré, on obtient 4 facteurs de x plus y au carré plus 8 racines plus 8 facteurs de racine de x au carré plus y au carré, le tout au carré moins 3 égale à 0. Avec x et y appartenant à R. On développe l'équation. On obtient 4x au carré plus 8i xy plus i au carré 4y au carré plus 8x au carré plus 8y au carré moins 3 égale à 0. On va regrouper les parties réelles et les parties imaginaires, ce qui va nous permettre d'obtenir 12x au carré plus 4y au carré égale 3, c'est-à-dire la partie réelle de ce nombre complexe, et i facteur de 8xy pour la partie imaginaire. Signalons que pour qu'un nombre complexe soit nul, il faut que, bien sûr, ces deux parties réelles et imaginaires soient nulles. Ce qui nous permet d'obtenir le système d'équations suivant. 12x au carré plus 4y au carré moins 3 égale à 0 et 8xy égale à 0. 8xy est égal à 0 si x est égal à 0 ou y est égal à 0. Ce qui nous permet d'écrire encore une fois les deux systèmes d'équations suivants. Système A, 12x au carré plus 4y moins 3 et x égale à 0. Ou encore le système 2, 12x au carré plus 4y au carré moins 3 égale à 0 et y égale à 0. Résolvons ces deux systèmes. Commençons par le système A. 12x au carré plus 4y au carré moins 3 égale à 0, la première équation du système. La deuxième, c'est x égale à 0. Si je remplace x dans l'équation 1 par 0, on trouve que 4y au carré égale à 3, ce qui veut dire que y égale à plus ou moins racine de 3 sur 2. Pour le système numéro 2, donc toujours la première équation, c'est 12x au carré plus 4y au carré moins 3 égale à 0. La deuxième, c'est y égale à 0. Si je remplace y par 0 dans l'équation 1, on obtient 12x au carré égale à 3, c'est-à-dire x au carré égale 3 douzième, ou encore x égale plus ou moins 1 demi. D'où l'ensemble des solutions de notre équation dans C, SC égale, donc cet ensemble contient la première solution Z1 égale plus I racine de 3 sur 2, la deuxième solution Z2 égale moins I, I racine de 3 sur 2, la troisième solution Z3 égale 1/2 et la quatrième Z4 égale moins 1/2. Remarque, Z1 et Z2 sont des réels, sont des imaginaires purs, alors que Z3 et Z4 sont des réels. Procédons à la vérification de ces résultats en remplaçant les solutions Z1, Z2, Z3, Z4 dans notre équation 4Z au carré plus 8, module de Z au carré moins 3. Commençons par la première solution, c'est-à-dire Z1 égale plus I racine de 3 sur 2. Donc on remplace Z, comme j'ai dit, dans l'équation par sa valeur. Donc on obtient 4 facteurs I racine de 3 sur 2
au carré plus 8 facteur racine carrée de 3, racine de 3 sur 2 au carré, le tout au carré moins 3. Je développe, donc j'obtiens 4 facteur de i au carré 3 quarts plus 8 racine de 3 sur 2 au carré moins 3 égale à 0. Donc, je remplace i par moins 1, j'obtiens 4 moins 1 3 quarts plus 8 racine de 3, 8 fois 3 quarts moins 3 égale à 0, c'est-à-dire moins 3 plus 6 moins 3 égale à 0. La solution 2, c'est-à-dire z au carré égale moins i racine de 3 sur 2, qui nous permet de trouver 4 facteurs de moins i racine de 3 sur 2 à la puissance 2, plus 8 facteurs de racine carrée de racine de 3 sur 2 au carré, le tout au carré moins 3, égale à 0. Je développe pour obtenir 4 facteurs de moins i au carré, 3 quarts plus 8 racine de 3 sur 2 au carré moins 3 égale à 0. En remplaçant i par moins i au carré moins i au carré par moins 1, donc on obtient 4 moins i moins 1 racine de 3 sur 4 plus 8 3 quarts moins 3 égale à 0, c'est-à-dire on a moins 3 plus 6 moins 3 égale à 0. La solution 3, c'est-à-dire Z3 égale plus 1 demi, je remplace donc Z3 dans Z, ce qui permet d'écrire 4 facteurs de 1 demi au carré, plus 8 racines de 1 demi au carré, le tout au carré, moins 3 égale à 0. Donc, 4 facteurs de 1 demi au carré, c'est égal à 1. 8 facteurs de racine 1 demi au carré, le tout au carré égale à 8, 1, 8 quarts, moins 3 égale à 0. Donc, ce qui nous permet d'obtenir 1 plus 2 moins 3 égale à 0. De même pour la solution 4, c'est-à-dire Z4 égale moins 1 demi, on procède de la même façon, c'est-à-dire on remplace dans notre équation Z par sa valeur égale moins 1 demi. Pour obtenir 4 facteurs de moins 1 demi au carré, plus 8 racines de 1 moins 1 demi au carré, le tout au carré, moins 3 égale à 0, et ce qui nous permet de trouver 1 plus 8 quarts, moins 3, et 1 plus 2, moins 3 égale à 0. Conclusion. Après la vérification des solutions trouvées pour l'équation 4z au carré plus 8 modulo z au carré moins 3 égale à 0, on voit bien que ces quatre solutions sont bien celles qu'elle vérifie.